Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message intuitif de ce jour. On est mercredi 23 février 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, bienveillance. Ah, c'est tellement important d'être dans la bienveillance. Eh bien, cette carte est là pour vous rappeler que cultiver la bienveillance est essentiel pour les autres et pour vous-même. Alors, avec la bienveillance, cela nous permet d'être connectés à cette belle énergie qu'est l'amour, n'est-ce pas ? L'amour inconditionnel que nous avons tous en chacun de nous. Les valeurs et les actes qui lui sont attachés sont très forts. Être gentil et respectueux envers les autres et le monde, être indulgent, accepter chacun tel qu'il est, la tolérance. Lorsque nous sommes bienveillants, n'est-ce pas, envers les personnes qui nous entourent, les animaux ou notre belle terre-mère, nous apportons une énergie lumineuse et positive à l'univers. Et ce comportement change aussi favorablement l'attitude des autres. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, le cercle vertueux de la bienveillance. Mais il faut aussi s'y inclure. Et surtout, pas s'oublier. C'est important de ne pas s'oublier. C'est un premier pas, n'est-ce pas? C'est un premier pas pour trouver ensuite, eh bien, cette belle énergie d'être bienveillant avec nous-mêmes et avec autrui, avec les autres. La bienveillance, l'empathie, ça fait partie de notre vie. Essayez de cultiver très simplement la bienveillance, eh bien en ayant pourquoi pas une pensée positive à ton égard lorsque vous doutez de vous. Te rabaisser ou être mécontent de ce que tu as fait. Sois bienveillant avec toi. Sois bienveillant avec toi, comme si tu étais ton meilleur ami, n'est-ce pas? Tu peux également, eh bien, avoir des pensées positives pour les autres. Et pourquoi pas effectuer de petites actions? C'est-à-dire sourire à un inconnu, dire un mot de gentil dans un magasin à une vendeuse, dire un mot d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin. Juste lui adresser un petit geste de soutien. Eh bien, ressens comme il est agréable de faire du bien alentour de toi. Cet état de
bienveillance te met dans un état de plénitude, de sérénité. C'est l'amour que tu portes en toi et l'amour inconditionnel que tu portes aux autres. C'est tellement important d'être dans la bienveillance, dans l'empathie, la tolérance, l'amour inconditionnel. C'est ça les valeurs qu'on nous a inculquées, n'est-ce pas? Je termine avec le message lumière. Je reconnais. Eh bien, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence du Créateur en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie et ma source de paix. Très beau message lumière. Je vous souhaite une toute belle journée. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, je vous embrasse. À demain.